Le sujet, c'est un sujet social. Comment obtenir une carte de séjour en tant que parent d'un enfant français, et non seulement un parent d'un enfant français, mais aussi, eh bien, un époux ou une épouse française. Et dès que on voit parent d'un enfant français, on voit, eh bien, on parle de la régularisation, on parle de l'immigration en France. C'est ça. C'est l'immigration en France, c'est la régularisation en France. Ça veut dire que les, eh bien, sous territoire français, les fait au timoun, eh bien, les fait timoun ça avec yon français, timoun ça, les vin français, puisque yon nan parlant yo, c'est français que yo li. L'autre parent qui étranger, eh bien, les ka bénéficier de timoun ça que le fait pour permettre que s'il était dans situation irrégulière pour, eh bien, yon régulariser. Ce n'est pas yon bagay qui est automatique, mais c'est yon démarche à entreprendre. Ça veut dire que ou yon démarche pour entreprendre pour permettre que régularisation li fait. Et l'article, eh bien, du code, eh bien, de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réglait ça, c'est l'article L313-11.6 degrés. Et c'est cet article-là qui bail droit, eh bien, à un parent, soit fille, soit garçon, qui fait petite à un français ou une française, pour permettre que Simon ça, eh bien, les bénéficier de nationalité française, li, et pour permettre que les gagnent une carte de séjour. C'est important à souligner, puisque nous avons une émission d'information. Il y a un pile monde qui relève, des fois, la préfecture voit une attestation, bah, yo, et puis dans l'attestation, hein, eh bien, c'est écrit, eh bien, le dossier de monsieur Intel, Intel, ou de madame Intel, Intel, a été bien instruit, eh bien, à notre service, selon le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et il y a des gens qui relèvent le fait que yo ouais asile là dans papier a, yo dit que eh bien papier yo ba yo a son papier asile. Non, c'est important pour une bonne information ça. Et entre parenthèses, quand on parle de le code de l'entrée, c'est ce qu'on appelle le CESEDA. Le CESEDA, c'est un cycle et qui définit comme ça le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec demande d'asile. Hein, ça, c'est important pour nous comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec demande d'asile. C'est énoncé, il y a énoncé un article là pour permettre que vous connaissez dans qui, eh bien, droit que vous ayez. Et puisque aussi, eh bien, la préfecture lui-même, lui, doit soumettre à la loi. Parce que tout ça, où est fait, même si, ouais, eh bien, des gens qui ont fait résistance, nous connaissons des méchancetés aussi, eh bien, dans la préfecture, soit, eh bien, la police aux frontières, mais la loi française, là, lui, sont la loi qui était, eh bien, pour tout le monde. Eh bien, il n'y a qu'à violer la loi, mais après, au cas de fin, c'est ça que fait. Ou après, non, même, quel que soit papier ou voyez par où, il a toujours mis des codes, des articles. Et articles qui, eh bien, traitent cas parents français, c'est article dans le code CESEDA qui, c'est article L313-1 degré 6. Et souvent, yo fait, eh bien, yon amalgame ou bien yo pensé que, eh bien, même article ça, c'est lui-même qui, eh bien, bail droit à
à époux ou épouse français. Non, c'est deux articles différents. Et c'est important de souligner cela, puisque, eh bien, moun ki se yon parent enfant français, li gen plein droit en France. Et aussi, yon moun ki se époux français, li gen plein droit en France. Mais qui différa, un qui différa. Tout à l'heure, pral développer et pour époux français. Mais nous nan an un parent d'enfant français. Parent d'enfant français a, li gen plein droit. Eh bien, et aussi gagner des conditions qui pour réunir pour droit ça que parent gagnant pour que li ka jouir. Premièrement, c'est les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire. Première condition, c'est que li important pour connait que l'enfant doit résider en France. Même si c'est un enfant et un français, mais l'enfant doit résider en France. La résidence de l'enfant mineur en France doit être stable et durable. Ça veut dire que Fortimoun français, pour permettre que ou gen droit ça, Fortimoun français li en France et li ka prouvé que li en France. Voilà. Ça veut dire que mes étudiants dans sous territoire français, li c'est un français ou c'est parent ou gen droit à un carte de séjour. Première démarche ou gen pour entamer pour permettre que eh bien ou gen carte de séjour ça, c'est eh bien démarche pour état civil timoun nan. C'est-à-dire que eh bien copie intégrale timoun nan, acte de naissance timoun nan, et un passeport timoun nan, certificat eh bien de nationalité timoun nan, premier bagay pour faire c'est eh bien papier sa yo pour al faire. Et papier sa yo c'est pas la préfecture qui fait yo, mais c'est la mairie. Ça veut dire que eh bien ou connaît ou gen ou fait un timoun avec un français, faut qu'on fait déclaration. Et m'a conseillé, m'a bayon conseil à chaque eh bien compatriote ou bien et zami capable suivre nous si ou en France si mon nan ou fèl ou enceinte c'est pour un français lié me conseiller depuis si mon nan li gagne 3 à 4 mois fait eh bien français ou bien française là et si c'est un français fait li reconnaître si moun nan. Ça veut dire que elle fait déclaration ça la mairie même avant la naissance, c'est une déclaration en prénatal. Ça veut dire que avant si moun nan fait ou gata déclarer que si moun ça li puisque ou gen ou fait et tout eh bien radiographie. Et puis si moun nan li en bonne santé nan bato, ou connaît ses points en français, eh bien ou connaît si moun sa li pral permettre que eh bien ou gen papier ou pral mener démarche pou li, gantan fè moun nan reconnaître li depuis les que ou ansèt. Ça c'est une garantie que ou gagne pour montrer que eh bien c'est pas les ti moun nan fait ou pral chercher eh bien fait papier. Eh bien, si moun sa va le chercher balion papa, on va l'expliquer ça tout à l'heure. C'est la problème nan. C'est la problème nan pour et nous ka eh bien prouver pour montrer que eh bien moun ki reconnaît si moun nan c'est papa le vrai. Et c'est ça et la problème nan. On peut arriver là, on va l'expliquer, c'est pour ça que fait m'a poser base là pour me dire que fait eh bien moun nan reconnaît si moun nan depuis nan vente nan langage vernaculaire langage vernaculaire c'est fait si moun nan reconnaît depuis nan vente. Moi salier eh bien Walter, moi salier Adeline aux États-Unis et pasteur Mathurin, bon Dieu béni des États-Unis, moi salio. Et nous a dit ça c'est important. Et lorsque ti moun nan vin fèt, eh bien, soit à la maternité, comme ça, eh bien, déjà, gen yon déclaration en prénatal qui te fait, eh bien, li plus facile, si ou même, ça dépend de l'accouchement, si ou même, ou, eh bien, te gen du mal pour bay information
à assistante sociale là ou bien à infirmière là, déjà la mairie, agent la mairie a gantan gen information sa yo, eh bien, et l'on pral fè, eh bien, reconnaissance là, la plus facile. Ça veut dire que ou reconnaître. Ça peut arriver, eh bien, ou pas faire, eh bien, déclaration prénatale. Mais c'est un conseil mba ou fèl. Ça veut dire que tout ça qui ka mette doute la à la préfecture, efface yo. C'est ça que fait. Mabdou ça. Surtout à présent, situation a vint plus difficile la préfecture. Et semaine dernière, m'a parlé avec directeur là. Et li dit que, eh bien là, yon a dossier mois d'octobre, ça c'est pour la Martinique. Oui. Et c'est toute la préfecture yo qui en retard. Et c'est toute la préfecture yo qui encombrée. Ça veut dire que mes frères et sœurs, mes amis, compatriotes, situation en vie plus difficile, l'on font dossier, prend plus temps, prêtez plus attention pour faire dossier à bien, pour permettre que moun ki pral traiter dossier à, pour, eh bien, il gen envie traiter dossier à, parce que gon façon ou ranger même papier ou ranger, eh bien, ça déjà, ba moun nan yon mauvais pressentiment. Ça veut dire que son moun ki négligent, ça veut dire que moun sa, est-ce que vraiment, li di li occupe ti moun nan, eh bien, jan ba moun papier, kon sa la maltraite ti moun nan, y a tout ça. Il y a le côté psychologique pour permettre que, eh bien, dossier nou yo déjà, eh bien, permettre que moun kap traite la li gen envie pour le traiter dossier. Ça c'est très important comme conseil. Alors, en tant que parent français, ou gen l'on fin fè reconnaissance la, ou gen copie intégrale ti moun nan, ou gen pour al fè, eh bien, certificat de nationalité, ou fin fè ça, ou fè passeport, ou gen carte de nationalité, ou gen passeport ti moun nan, kounye a ou prêt pour al faire déclaration à la préfecture, ou prêt pour al entamer démarche pour permettre que ou gon carte de séjour, eh bien par rapport à ti moun sa. Ça veut dire que ti moun nan ka fait ou gen ti moun nan sou territoire là, lò poko al faire demande la préfecture pour ti moun sa, eh bien pa gen anyen, eh bien qui dit la préfecture, eh bien, ou gagne yon dossier en cours. C'est ça qui fait l'important pour entamer des massages au plus vite que possible et ou gagne papier yo, et puis pour al faire demande là la préfecture. Le, premièrement, on pral faire demande là la préfecture. Le, ou fait demande là la préfecture, eh bien, la préfecture lui-même li gagne yon liste de pièces que la mande yo. Dans liste de pièces ça yo que la mande ou, puisque nous nan cadre de séjour en tant que parents de l'enfant français, nan ba ou pièce qui important, pièce qui principale là, c'est eh bien carnet santé ti moun nan. Ça veut dire que ti moun sa faut ou eh bien vacciner. Carnet santé ti moun nan faut ou gagner passeport ti moun nan ou bien carte d'identité ti moun nan. Faut gen copie intégrale là. Pour que sa copie intégrale là, c'est pour montrer que eh bien si moun sa c'est petit ou lié, c'est pour identifier les deux parents. Et puis ou gagne l'autre papier ou pral mande complémentaire, par exemple ou pral fourni attestation, eh bien si ti moun nan l'école pour fournir attestation scolaire. Et des fois si moun nan pou aller l'école puisque ti moun nan piti, eh bien ou pa gen attestation ça. Si ti moun nan et garder par exemple nan crèche, ou ka aussi eh bien bay tout papier ça. L'essentiel c'est que ou besoin konnen là que ou fait demande là la préfecture pour dire que ah gen un ti moun sou territoire. C'est yon français ti moun sa ye, eh bien la loi dit m'gen droit pour me faire demande là, eh bien moi vinn faire demande là. C'est ça fait loi déposer dossier à la préfecture. Mais là la préfecture enregistrer demande là,
la préfecture a enregistré demande la kounya, c'est là combat lui-même li commencé. Ça peut arriver, la préfecture va délivrer moun nan yon récépissé pour dire que, eh bien, li déposé demande li. Mais, situation a vin de plus en plus compliquée. Ou après que presque dans tout département, dans toute préfecture, yo délivré moun yo des attestations. C'est le cas pour la Martinique. Eh bien, ou mes ou fait demande là, yo délivré ou yon attestation. Et ces attestations ça, yo relé ça, yon attestation d'instruction. Ça veut dire que yo instruit dossier. Ça veut dire que dossier instruit, puisque dossier instruit, eh bien, pour qui ça? Souvent, yo pas délivré récépissé à présent, c'est parce que, eh bien, les moun nan di li vin fè demande carte de séjour en tant que parent français, yo pral fè enquête pour connait est-ce que ti moun sa son français tout bon que livre. Voilà. C'est là problème nan li même li poser. Ça veut dire que il est vrai si moun nan li gen passeport français, il est vrai li gen carte d'identité français. Mais la préfecture, souvent, m'a dit toujours, hein, ça c'est important pour nous connaître. Souvent, puisque la France, bien grand, et chaque préfecture, yo gagne une politique, ça c'est important. Il est vrai, la loi est une pour tous, c'est même code, eh bien, ce ZEDA qui est appliqué dans toute préfecture. Mais chaque préfecture a une méthode de travail. Ça, c'est important pour nous connaître. Chaque préfecture a une méthode de travail. Mais, selon toute enquête, analyse, information que nous avons, eh bien, nous réalisons que presque toute préfecture yo, eh bien, pas délivré mon carte de séjour tout de suite encore. Yo a fait enquête. Et prenons le cas à la Martinique. Prenons le cas, par exemple, à la Martinique, puisque c'est la map militaire. Tout le principe ma ba ou loyo, c'est pour tout en France en général. Mais des fois, ma prend des cas spécifiques pour la Martinique. Cas spécifiques ma prend pour la Martinique, yo, parce que ma vive yo, moi connais yo, moi, c'est chaque moment la préfecture, moi en contact avec la préfecture, moi en contact avec des compatriotes. Ça veut dire que, prenons le cas pour la Martinique, eh bien, moun sa yo qui à la Martinique qui fait demande carte de séjour longtemps, eh bien, yo pas qu'on fait enquête. Map dou sa, c'est nous-mêmes compatriotes haïtiens qui fait que yo vin rivon côté, yo al fait enquête. Parce que des fois, eh bien, yon leve kont lot, c'est même bagalan tap, lo charimi tap chante la, oui, yon kont lot, moun yo vin méchant. Eh bien, malgré que, eh bien, nous déplacen ki te Haïti, eh bien, nous toujours gen sentiment méchant, c'est ça, pour nous abol kote lot la. Et ma pa conseiller nous en tant que président association, eh bien, pour nous bay de bon exemple. Parce que même si vous n'êtes pas chrétien, il y a ça relé moral. Moral là, il quand même, eh bien, qu'a dit ça pour faire qui bien ou pas. Ou bon conscience, même si vous n'êtes pas chrétien, puisque, eh bien, il y a un pile de monde qui a regardé l'émission qui n'est pas chrétien. Mais, n'a dit ça, c'est pas une question de chrétien, c'est une question de moral, c'est une question de l'amour. Quand même, yon pour l'autre, eh bien, yon bagay ou fait, li ka retourne kontou encore son pa konnen. Eh bien, ça krive ki fait, ou yon accentue son enquête sur kon sa, le yon parent français déposé en demande, eh bien, yon pa bal délivre le récépissé encore. Pour la Martinique, ça, nous ka bon garanti, c'est attestation. Ça c'est automatiquement, mais ou ka jwenn et ça peut arriver qu'il y ait des préfectures qui délivrent dans un certain cas, eh bien récépissé tout de suite. Mais eh bien pour la Martinique, c'est attestation. Qui ça fait ça? C'est parce que gagne
des compatriotes qui t'a joué. Il y a des mesdames qui t'a la préfecture qui a joué. Eh bien, il y a le dénoncé yon lot. M'pas besoin d'où ça yon dit. Ou comprenne ça m'le dit. Il y a le dénoncé yon lot. Et puis, ça, eh bien, tombe dans oreille personnel yo. Eh bien, rive dans oreille directeur là. Eh bien, li achemine rive dans oreille préfet. Eh bien, à présent, ou après que, eh bien, les moun nan, malgré moun nan déposé un dossier complet, parce que la loi et de base la CEDA, li di mezi moun nan déposé un dossier complet en tant que parent d'un enfant français, eh bien, fok, eh bien, yo délivré, yo récépissé qui prouve déposé un dossier complet. Mais à présent, yo délivré une attestation pour permettre que, eh bien, yal fait des enquêtes. Et enquête ça, qui sous qui base yo pral faire enquête là, yo pral faire enquête là sous base que est-ce que parent ça li eh bien c'est yon parent français vrai, est-ce que ti moun ça li son français vrai. Premièrement, comment enquête la fait? Yo instruit dossier à la préfecture, les dossiers gen moun ki la ki a ap suivre émission qui dans même situation ça. Premièrement, yo instruit dossier la préfecture et yo délivre une attestation et puis la préfecture lui-même li pral voyer dossier à bail soit la gendarmerie ou bien la police nationale, pour la police nationale ou bien la police aux frontières, pour yo al faire enquête. Enquête là c'est pour yo connait est-ce que la reconnaissance de cet enfant n'est pas une reconnaissance frauduleuse, puisque il y a des reconnaissances frauduleuses. Merci sœur Marie-Ange, merci frère Martin, merci sœur frère Fergile, Luma Edi, bon Dieu béni, sœur Mita. Moi oui sœur Mita, très bien. Et continuez voyez que continuez et faire commentaire, n'a dit ça aussi, ça peut arriver ou bon question qu'a écrit, n'a suivre question aussi. On va vérifier est-ce que cette reconnaissance n'est pas une reconnaissance frauduleuse. Puisque, eh bien, il y a aussi des reconnaissances frauduleuses. Alors, en ce sens, il y a une préparation pour faire. C'est pour ça que Femme Dabdo, l'on fait dossier bien depuis le montage dossier. Et ça fait des fois les mounyo yo vin wèm pour moi monter dossier pour yo, des fois m'exigeant m'a demandé au papier, yo pense c'est un mec de m'a pas mec de, c'est pas mec de m'gan ta connait qui ça la préfecture, sous qui base la préfecture pour analyser dossier là, m'a donné des papiers pour gain garantie que eh bien pour joindre un avis favorable. Parce que ou ka déposer dossier pour déposer dossier ou déposer dossier mais ou pas gain avis favorable, et c'est ça que fait eh bien les moi même c'est moi qui fait dossier pour moi, moi prend les soins pour moi bien monter dossier. Ça veut dire que tout à l'heure m'te dit ou que l'a monter dossier, il y a papier pour fournir et qui pral demain si Dieu veut important dans dossier là. Yo pral vérifier premièrement est-ce que ou contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ça, c'est la première condition pour pouvoir, eh bien, obtenir cette carte de séjour en tant que parent d'enfant français. Il faut contribuer, les deux parents, il faut qu'ils contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Donc ou pas ka fon ti moun, eh bien ti moun nan ou la gèl ou bal manje bwè, men gen on éducation pou bali ou pa bali, et des fois ti moun nan li même li dans la maltraitance. Ça c'est important, même si ti moun nan français, si ou même ou pas contribuer à l'entretien ti moun nan normalement et nan éducation ti moun nan normalement, ou pa gen droit ça. Et même CEDA ça qui bon droit pour gen carte de séjour li condamne aussi puisque pas contribuer à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant. Si moun nan, eh bien ou pas ka fèl pou la gèl.
Dans la rue, ou pas qu'à faire ti moun nan pour pas faire éducation, yon éducation pour bay ti moun nan, gen entretenir pour entretenir ti moun nan. Ça veut dire que les deux parents. Alors, en ce sens, pour prouver que ou entretenir ti moun nan, l'entretien, ou acheter linge pour ti moun nan normalement, ou ou bay ti moun nan ça que li besoin, eh bien, faut l'on allé dans le libre service là, on l'acheter, quel que soit ça, on l'acheter pour tout le monde, linge, manger, et lait, eh bien, quel que soit ça, on l'acheter pour tout le monde, nous disons qu'il faut faire des factures. Parce que, eh bien, ou sous des principes de loi, eh bien, on a besoin prouver ou entretenir ti moun nan ou apprezen prouver que ou fait éducation ti moun nan. Et bien pour prouver entretien ti moun nan c'est et bien facture que linge ou acheté pour ti moun nan et bien tout ça ou acheté pour ti moun nan ou fait des factures. Et l'autre parent et li important pour faire des factures sous des noms. Ça c'est conseil m'a ba ou, c'est important pour connaître ça yo. C'est des fois moun yo et bien yo commencer yo mais yo fin déposer dossier a yo dit ah m'bay facture déjà m'pas besoin facture encore. Non mais si c'est la loi, mais si c'est papier en tant que parent françaisier si moun ça eh bien faut garder comme des grands yeux dans tête ou puisque eh bien c'est lui même qui faut gagner papier, c'est important pour connaître ça. Ça veut dire que ou même si ou entretenir ti moun, même si ou fait éducation ti moun, faut prouver ça. Ça veut dire que même si ou ta gagne 4 1 an faut continuer faire des factures pour mettre là l'on pral renouveler pour ka prouver que ou eh bien contribuer à l'entretien de l'enfant. Et les ti moun nan l'école, eh bien, faut qu'ou ka bay, eh bien, certificat de scolarité pour mon ti moun nan l'école, s'il nan garderie, c'est ça un contribution à l'éducation. Hein? Et si ti moun nan li à la cantine, faut qu'ou bay attestation cantine nan, eh bien, attestation assurance l'école ti moun nan, ça yo prouver que ou contribuer à l'éducation de l'enfant. Faut gen papier ça. Ça c'est important. Et enquête là, il est vrai, li pral eh bien basé sur ça, la police aux frontières pral rele ou, eh bien, li ka pose aux questions ça yo, mais enquête ça yo plus basé pour la préfecture faire des analyses. Mais enquête la police, enquête gendarmerie, hein? Eh bien, li pral basé surtout pour prouver eh bien est-ce que si moun sa li se yon français. Là m'a dit ou ça faut qu'ou prépare ou à cela. On dit que on fait un ti moun avec yon français, bon yon français qui reconnaît ti moun nou, eh bien faut eh bien nous cohérent nan ça que nous a dit les nous pralé. Eh bien, non, enquête là, il y a convoqué nous, mais c'est pas et pas au même moment, il y a tendé nous. Ça veut dire que depuis les si moun nan li fait reconnaissance là, li fait, eh bien, si moun sa, eh bien, faut que les deux parents contribuent, eh bien, pour permettre que si moun nan li grandit décemment, Jean, la loi française mandel. Et puis, faut aussi la police convoqué, faut que eh bien nous gagnions même parole. Faut gagner même parole parce que eh bien si eh bien papa qui français a dit un bagaille et puis maman qui étranger a dit un autre bagaille, eh bien il y a point que son reconnaissance frauduleuse. C'est ça, yo eh bien acté en pile sur ça eh bien sur la reconnaissance frauduleuse. Alors nous a pas conseillé pour permettre que eh bien vous préparez à ça. Ça veut dire que pour préparer à ça, eh bien faut qu'on parle avec eh bien et parents, et même si nous pas habité ensemble, c'est pas un problème. Ça mon yo ka valait mon qui fait petit, yo pas habité ensemble, c'est pas un problème. Mais l'essentiel c'est que eh bien
nous connaît que eh bien parents ça les toujours une ouais petit monde les contribuer à l'entretien petit monde et puis là on va poser la question eh bien faut que les répondre pour dire mais comment me contribuer eh bien soit ou même on va dire comme étranger là faut que c'est même bagarre là qui paraît pour lui pour permettre que eh bien toute parole yo eh bien sorti eh bien exactement eh bien comme eh bien youn di lot m'a essayé regarder est-ce que pas gagne question et gagne question et gagne un monde qui dit yon monde qui fait premier demande séjour yo pas bali récépissé encore attestation yo ba li kounye a valable pour ki tan et ki avantage ki gagne nan nouveau attestation yo bali a. OK, voilà. Alors c'est Batelmi qui a posé question ça. Batelmi m'a dit ça, eh bien, au départ, eh bien, comme on dit là, eh bien, il était qu'on délivrer des récépissés dès le dépôt de la demande. Dès le dépôt de la demande, eh bien, on délivre un récépissé avec droit de travail puisque c'est un parent d'un enfant français. À ne pas oublier, je vous ai dit, la loi eh bien, donne le plein droit à un parent d'un enfant français. Tout ça, n'a pas dit, yo, c'est des contours pour permettre que la préfecture gagne du temps pour connaître est-ce que réellement, eh bien, un parent, ça, son parent, un enfant français, si mon nom son français lié, mais ça n'a pas retiré droit. Ça veut dire que, yo pas bay récépissé encore, c'est pas que yo pas pral bay récépissé a, c'est en attendant que yo fait enquête puisque eh bien enquête là li ka durer un an ka durer deux ans et moun gen des dossiers gen moun même eh bien qui vinn côté eh bien enquête là durer presque un bon et pas enquête là yo instruit dossier a mais problème qui posé parce que faut que moi dou ça aussi et là yo pas bon récépissé a yo bon on attestation pas ba ou droit de travail. Et c'est important pour comprendre ça, Batelmi. Son attestation qui dit que ou gon dossier qui déposait la préfecture et pour yon demande 4 de séjour. Ou gon dossier à déposer. En attendant que yon fait le nécessaire, eh bien, yon, eh bien, papa ou récépissé a. Mais l'important pour nous connaître que des fois, objectif là, c'est pour faire enquête que yon. Ba ou attestation ou pas bon récépissé a, mais des fois dossier arrêté là, yo pas jamais fait enquête là. Donc autant que dossier arrêté là, enquête là pas jamais fait, c'est autant que ou attend. Et c'est ça que fait, ou après gen des moun qui gen 5 ans et ses parents en français yo, yo gen plein droit, mais yo pas jamais joine carte de séjour yo, yo pas jamais joine récépissé. Et moi fait intervention pour un pile monde comme ça et avec intervention et eh bien des fois en tant que président association et eh bien mon yo venir gagner un récépissé et des fois dossier a pas jamais à joindre la police pour faire enquête à plus que me font intervention ou bien si t'a parlé avec yon zanmi en Guyane, m pa konnen en Guadeloupe des fois yo fait ça, m te gen yon compatriote en Guadeloupe qui fait ça. Ça veut dire que c'est non en France, il y a des associations mais c'est pas tout côté, c'est pas parce que travail ça c'est pas tout monde qui ka fait, faut gen l'amour, faut gen esprit eh bien de solidarité pour faire puisque son travail bénévole lié. Eh bien c'est ça que fait m'a dit nous ça moun Martinique yo son on ben nous joindre. Eh bien moi disponible et gen bagaille pour me faire ça me ka faire à me faire m'pa dit me fait toute bagaille non et à la Martinique et m'ta fait une interview avec France Antilles eh bien vendredi dernier eh bien nous t'a dit ça gen environ 12 000 haïtiens à la Martinique seulement. On dit que m'baka et dit que m'a fait pour tout haïtien mais le maximum nous faisons. Ça veut dire que attestation ça n'est pas bon droit travail et Batelmi et si on fait un an m'a dit ça si on fait un an
Maintenant, où est que vous avez une attestation à un pas marché, il faut qu'on retourne à la préfecture pour dire, ben, voilà, et vous avez un petit monde, il faut prendre soin, puisque la loi même dit qu'il faut m'entretenir un petit monde. Non, je n'ai pas qu'à travailler avec l'attestation, ben, moi, vini, eh bien, pour permettre que nous ayons un récépissé en attendant que, eh bien, 4 de ces jours, il est prêt. Il faut qu'on dise ça pour permettre qu'on récépisse que bon droit travail. Puisque il faut qu'on prenne soin de tout le monde. Il faut qu'on mange, il faut battre tout le monde à manger. C'est important. Un souhait et non passé, il n'y a pas, eh bien, j'aime dire rien. C'est important pour faire ça. Puisque l'attestation, on ne peut pas faire un lien avec l'attestation. Celle ça, libre comme droit, libre droit pour rester sur territoire légalement. Parce que mes oreilles attestation, et m'a dit ça, et pas seulement pour enfants, un parent d'enfant français, quel que soit moun, et très prochainement, m'a dénoncé ça comme m'habitue faire. Et puisque yo dim gen moun ki gen dossier la préfecture yo bay yo attestation la police aux frontières kembe yo et bien yo a la yo pou avay yo ça c'est yon acte illégal que lié et ça c'est yon intimidation que lié et souvent c'est yon acte intimidation à la communauté haïtienne, ni pour me dénoncer ça. Ça veut dire que quel que soit dossier gagné ou déposé la préfecture, mais si vous avez une attestation, la préfecture qui signé par la préfecture, les bon droit pour rester sur territoire légalement jusqu'à ce que vous traitez dossier là pour vous prendre une décision soit favorable ou non. Mais si vous avez une attestation, m'a dit ça ou pas gagné pour un paix, gen moun ki gen attestation di ou paix, eh bien, il est vrai, et ça ka fò paix du temps pour aller au port, mais ou pa ka fè anyen, ou pa ka fò anyen, et déjà, son atteinte à la personnalité qui est liée, que nous dénoncer grandement, puisque, eh bien, la police aux frontières pa doit faire ça. Si m'te ou, alors, d'accord, alors, et Batel me dit si c'était moi-même il t'a parlé ça avec m'pas t'a parlé ça sur Facebook bon et alors m'habitue faire réunion Batel me peut-être m'pas connait dans quel pays Batel me c'est pour ça il dit ça mais et ça n'a dit à l'important c'est pas seulement pour la Martinique nous parler pour la France en général et Batel me c'est pour ça que nous fait émission sur Facebook c'est pas seulement sur Facebook nous fait émission pour nous bailler information ou en abayo nous fait aussi des rencontres et avec les membres et bien de l'association Cellule en action ça veut dire que et bien nous fait fois dernière nous fait assemblée et assemblée a été faite qui date encore et oui c'est au mois de décembre hein, nous t'ai fait en assemblée et bien nous t'ai bail toute information surtout sur changement qui gagne la préfecture alors Batelmi c'est chaque troisième jeudi nous là pour permettre que ou même qui à l'étranger ou bénéficier ça mais eh bien au sein de l'association nous fait aussi des assemblées pour bail mounio information et pour permettre que eh bien yo poser question largement mais là nous ouvri cadre là à tout le monde Batel OK nous pas seulement faire sur Facebook mais nous faire aussi en présentiel OK ça c'est très important pour comme ça et si on l'autre question m'a prendre sous marié ou pas même côté ak moun nan c'est chaque dimanche ou nan kayla c'est un problème tout et alors nous pou konn kad mariage hein. M'a répondre question nan kad et parents d'enfants français Roseland alors nous te dit ça Roseland même si ou marié ou bien pas marié avec moun nan nous pou konn kad mariage non nan kad parents d'enfants français, il faut pas mélanger les choses. Alors, même sous marié, même sous pas marié, quel que soit ou fait si moun nan avec yon français, c'est même droit. Même soit vivre nan kayavel, même sous pas vivre nan kayavel, ça pas changer en rien sous droit que si moun nan son français lié sous droit que ou gagne pour gagne 4 de séjour. Ça c'est important pour nous connaître ça.
Alors, ça qui est important, c'est que même si un papa ti moun nan, bien un maman ti moun nan, li pa viv avan, eh bien, lycée français a faut que li entreteni ti moun nan, faut qu'on gon preuve et soit le font virement, des fois on font virement si c'est garçon, eh bien, ou aller avant te gen mandat cash et apparemment gen te gon on pa ka gen mandat cash encore la poste qu'on fait ça mais so acheter pour ti moun nan par exemple ou papa ti moun nan ti moun nan et aussi on papa étranger ti moun nan avec maman qui c'est en française eh bien faut kou eh bien so acheter yo on fait des factures sous nom pour prouver que ou mené yo bay maman ti moun nan et si ou bay maman ti moun nan l'argent ou eh bien gagner yon reçu pour ka prouver ça c'est très important. Ça veut dire que Roslan et moun nan pas obligé OK d'accord et sou pa gen ti moun. Non, m'pa ko rive là Roslan. Voilà, m'pa ko rive là. OK, kounya m comprenn question là, m'pa ko rive là. Ça c'est en tant que époux ou épouse française. M'pa vle mélanger les choses, m'a contrôler les a pour moi partager. OK, voilà, beaucoup arrivé dans époux français. Non, toujours parents d'enfants français. C'est m'ta remet nous bien comprendre pour nous pas mélanger les choses. Et m'a dit ça en passant, gain plus chance pour mon nan gain papier les ses parents enfants français que les lycée époux ou bien épouse français. M'va l'expliquer pour ça tout à l'heure. Qui t'aime rester et nan second question sou et enfant ban mwen m'a pas répondre Roslan comme moi dou la m'va répondre à question là tout à l'heure Roslan moi noter ça m'va répondre à question là tout à l'heure mais kounya nan Simon alors et comment ça se passe ban ba nou détail parce que moi même moi connais comment ça passé ban ba nou comment ça passé là ou fait enquête là là ou fait enquête là et bien et la préfecture li instruit dossier la préfecture instruit dossier les la préfecture fin instruit dossier ça veut dire yo bon attestation li la préfecture gagne pour le voyer dossier à la gendarmerie gagne pour le contacter ou bien la police aux frontières gagne pour le contacter pour yo convoquer ou même avec parents français pour yo poser une question pour yo connaître est-ce que vraiment ti moun ça c'est ti moun français que li. Alors faut que il y a comme on dit là arrange pour permettre que eh bien nous ka prouver que si moun nan son ti moun français que li. Lorsque eh bien la police fin pose aux questions, ça peut arriver, m'a dit ça, ça c'est important. Ça peut arriver kounye a surtout et la police aux frontières elle a posé question, il a fait pression sur moun nan. Ou te mettre gen parent français là qui suivent moi aussi et qui a fait un petit monde avec un haïtien et moi gen qui suivent moi là ou te mettre mais ou connaît ça ou dit à camper derrière la police aux frontières te mettre poser te mettre faire pression sur ou sur jodi arrivé demain toute année a pas prendre pression la police aux frontières. M'pa di ou al joure la police non. M'pa di ou eh bien al fè grand colette non. Soit en étranger a, soit français a, la police aux frontières son enquête la fè, li pa gagné des fois la di ou, la pose la fait pression sur ou, la di ou est-ce que moun nan c'est pas l'argent le ba ou pa gagné pour eh bien a pren pression. La di ou sou pa dim eh bien c'est l'argent le ba ou, des fois il pas ça non, li di sou pa dim ça, eh bien n'a fait yo meton en prison ou a pren tant années de prison, sou pa dim ça ou pa dénoncer moun nan. Eh bien, n'a fait que, eh bien, notre travail ou perdu travail, c'est des pressions que la police aux frontières a fait. C'est surtout sur parents français à le faire. Ils ont fait pression ça. Ma dis-nous, pas prendre pression la police, tout simplement, eh bien, ça, nous vient pour nous dire, n'a dit, eh bien, si nous, c'est petit, nous prenons soin, côté de rencontrer avec nous, ça, c'est tout important pour nous connaître.
nan entretien la police la, y a dou koto te rencontre ap moun nan, fò ou konnen koto te rencontre avec moun nan, et parce que mémoire, c'est ça que m'ap dou pré m te dou ça, préparé lè ou pral entretien pour nous gon accord ou même avec parents yo, nous deux parents yo pour nous gon accord pour parole nous sorti et bien et droit et pour permettre que pas gen doute. Alors même si au bon pression, pas prend pression, c'est tout simplement c'est petit point lié. Et bien qui ça me fait pour petit là, m'acheter linge pour lui, m'acheter manger pour lui, les pour m'bailler et parents les pour m'bailler dame dans l'argent m'bailler la dame dans l'argent, ça peut arriver au fait petit là, il pas compagnon, pas vivre avec encore. Et bien si c'est madame ou tant mieux, et bien m'bailler madame moi l'argent. Et puisque les moun yo a viv ensemble, il y a plus possibilité pour eh bien et nan enquête là, eh bien yo croire que ti moun sa son ti moun français li vrai, ça veut dire que eh bien c'est pas en reconnaissance frauduleuse. Ça n'a dou ça, eh bien gagne plus possibilité, gagne plus garantie les deux moun yo a viv ensemble. Mais c'est pas parce que deux moun yo a viv ensemble qui fait ti moun nan pa petit pi. Voilà nèg ka fait petit dewa. Et avant hier m'a tande yon reportage et en Martinique et madame m'a fait prêter attention sur ça, et bien yon Martinique qui fait et bien 20 moun, combien de moun chéri, 20 moun, voilà en Martinique. Et puis m'a dit en Martinique, et bien il fait 20 moun, il a fait reportage là. Et me saisi ça, m'a konn si Martinique yo te konn fait autant petit comme ça. C'est haïtien me connaît les appeler petit monde, alors yo fait petit monde, yo fait petit monde pour ma tante, pour tonton, pour toute et bien famille. Mon haïtien et bon la caï moi li mouri konn yam papa cité non, et puisque et c'est gen moun bon la caï moi toujours attendre ou ya pour tout simplement qui est parce que Adeline tapa Adeline des États-Unis, Walker aussi ou des États-Unis qui se fait commentaire yo connaît. Et bien nèg ça fait 35 petites. Yo te di ma combien maman, oui, mais m'blie à combien maman que te fait 35 petites là. Ça veut dire que, eh bien, moun nan, le ka fait petite, la grene petite là. Eh bien, l'État pa ka empêche moun nan fait petite, non. Ou pas en Chine pour dire que yo bon nombre de ti moun pou fè, c'est en France ou yé. Ou ka fait ti moun autant que au fait là m'pa m'pa yon éducateur pour eh bien familial, là m'pa nan cadre famille éducation familiale pour me dire contrôler fait petit tout, parce que si m'de nan cadre éducation familiale n'ap dou ah faut contrôler fait petit tout et zanmi pa faut pas faire trop petit moun nan, parce que ou gon éducation pour faire pour bay ti moun yo. Alors m'pa nan cadre ça, mais moi vite moins en quatre côtés ou devant la police, ou à défendre nous, ou à parler, ou à parler pour convaincre la police là. Faut dire la police, mais bien plaisir pour me prendre plaisir, moi fais petit, c'est tout simplement. Alors fais petit, c'est petit point, moi prends son petit point, alors pas rien pour dire. Ça veut dire ou pas gain pression pour prendre dans main la police aux frontières, dans main gendarmerie, c'est tout simplement. Eh bien ou prouver que si mon nom c'est petit, ça c'est important. Pour qu'on ait et ok Gale Batelmi ba mon question encore adoption, ça qui dirait combien de temps attestation en bail là, si c'est deux moun étrangers, est-ce que li yo valable pour séjour nan moment kounye? Ok, d'accord, ça une belle question, ça c'est une question d'ouverture que lié. Eh bien ok. Alors m'bagonne, alors il dit pas voter Zemmour. Alors m'a dit ça et pas voter Zemmour, pas voter Marine Le Pen, eh bien barre la route pour vous, parce que c'est sont des racistes. Eh bien nous pas faire politique non, mais il y a des bagailles faut que nous-mêmes nous pas cautionner. Et alors et si deux moun yo c'est étranger que yo yi, alors de moun sa yo se étranger, yo fon on ti moun sou territoire la, si yo nan paran yo légal li gon carte de séjour et ti moun sa
puisque deux parents qui étrangers si mon n'a pas français, ça c'est important. Ou pas gagne plein droit sur ti moun ça, parce que ben moun qui pensait mais ils font ti moun sous territoire là, eh bien li ka gagne papier sur li non, c'est les ti moun nan français, laisser des étrangers fait ti moun nan li pas français, ou pas gagne plein droit. Si yon parent m'a pese répondre rapide pour me contrôler là, et si yon parent gen papier et batelmi et puis yon pa gen papier, eh bien ça si moun sa ki fait là li eh bien gagne 3 ans de scolarité, après 3 ans de scolarité eh bien ou ka fè yon demande 4 de séjour. Bon, même si pa gen youn ki gen papier, ou ka fè yon demande de 4 de séjour et dans le cadre de la régularisation exceptionnelle. Ça li important pour connaître et matin en moins et un tabay information ça à des amis et puisque nous ces deux parents étrangers, nous fait yon ti moun sou territoire là, nous fait éducation ti moun nan sou toujours base éducation, toujours base entretien. Nous fait nous entretenir ti moun nan et puis nous voye ti moun nan l'école, ti moun sa gen 3 ans l'école, 3 ans de scolarité. Et gon circulaire qui sorti en 2012, le 28 novembre 2012, par Manuel Valls, c'est circulaire de Valls, eh bien, li baye ou doit pour faire une demande 4 de séjour en admission exceptionnelle. Et Nabdou sa, admission exceptionnelle là, c'est à l'appréciation du préfet. Ça veut dire ou pas gen plein droit, eh bien, préfet a accepté. Eh bien, capable accepter, mais au bon droit, puisque eh bien au bon timon qui est scolarisé au café demande, ok? Et si eh bien même si deux mounio pas français, mais c'est si et seulement c'est si mon nan li gagne 3 ans de scolarité au café demande ça. Ça c'est très important pour connaître ça. D'accord, pas de problème. Ah, blague la machine encore. Ok, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Et tout simplement, nous avons montré que l'important pour, eh bien, pas prendre pression, puisque enquête là, eh bien, c'est lui qui va déterminer est-ce que pour yon délivre au cadre de séjour ou pas. C'est enquête là. Alors, les tous deux parents yon fin convoqué, et puis, toute parole yon tombe à plomb, et puis à ce moment, eh bien, la police a pas dressé un procès verbal, c'est comme ça ça se passe, c'est la procédure, et là, au fin de ce procès verbal, là, il a voué le bas à la préfecture. À ce moment, la préfecture a pas, eh bien, un traité procès verbal là pour permettre que yon passe dans l'autre phase pour permettre que yon n'en ait 4 de séjour. Des fois, ça traînait. Des fois, c'est la police et ça traîne. Des fois, c'est la préfecture. Des fois, la préfecture prend du temps pour traiter le dossier. Et c'est ça qui fait l'important, li bon pour nous gagner un représentant association. Les dossiers à traîner pour nous ouvrir à l'ouest, représentant association. Hein? Si gen moun en Guyane, qui c'est président association, ma plan c'est appel ça. Fait message la passer pour moi, ça fait de l'important pour partager. Ou même qui peut partager émission, partager, ou même qui peut abonner à page là, abonner à page là. C'est important pour ou toujours recevoir notification. Nou yo. Chaque jeudi, nous là, mais chaque troisième jeudi, c'est social qui parle. C'est affaires sociales n'a traité. Alors, si yon représentant association en Guyane, n'ta remet rentrer en contact avec l'adjoint numéro et eh bien sur page et Facebook moins n'ta remet rentrer en contact avec représentant association ça en Guyane parce que me senti mon en Guyane yo a souffrir en pile et si gon moun ki ta gen intention en Guyane pour eh bien li soit monter association qui a défendre droit des étrangers parce que me connais une association en Guyane qui est une association haïtienne, mais est-ce que li défendre droit des étrangers, me pas connais parce que grand pile moun en Guyane qui fait demande ça.
Alors si tu as un monde en Guyane qui a une association ou bien qui a une intention, eh bien monter une association pour défendre les droits des étrangers, eh bien rentrer en contact avec moi, m'ka aider et nous ka travailler de concert, c'est important parce que me senti mon en Guyane yo a souffri en pile en Guadeloupe aussi. Et te madame Néerlande, ça fait longtemps moi pas rentré en contact avec elle, perdu numéro. Si gen en Guadeloupe, eh bien gen une association, eh bien qui a défendre droit moun, droit des étrangers comme moi m'a fait là la Martinique là, rentrer en contact avec moi, je un numéro sur page là. Si en Guadeloupe aussi ou à la Guyane ou kon numéro bay moun nan et puis pour l'entrer en contact avec parce que faut que nous font faisceau. L'en fait faisceau, ça permet que nous gagnons plus force parce que moi-même moi t'a aimé faire des interventions en Guyane mais faut que moi gagner des moun qui sur place pour permettre que eh bien moi mieux cibler situation. Alors, l'important, me lancer appel là et faire message là passer pour moi pendant à partager. Frère Martin, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, que grâce Seigneur avant et on dit qui OK d'accord. Alors, eh bien kounya faut qu'on réponde à question ça oui parce que m'te gantan longtemps pour me poser qui côté ou sorti dans Haïti. OK d'accord. Alors Roseland, qui côté me sorti dans Haïti? M'sorti Haïti, frère Maton m'a répondu pour moi. M'sorti Haïti, m'pa gen moun ki nan zone moi là qui a fait commentaire mais aux États-Unis ou même. Et gen moun ki aussi nan zone moi qui toujours suivre émission, par exemple Junette, ça fait longtemps pas Junette, m'pa connais ses commentaires elle pas fait et m'pa wè Junette et pasteur Marcelis et nous gen pasteur Daniel aussi et qu'on suit l'émission en grand pile l'autre monde et m'blié noyo parce que ça fait un moment et l'aime ta Haïti yo dit yo toujours suivre l'émission yo toujours web alors yo bon détail yo bon preuve que yo suivre l'émission hein et ça te fait un plaisir l'aime ta Haïti et pour ces isla en mois d'août lorsque nous t'al porter aide yo gen moun qui t'es vraiment fait un kem content yo t'a pas applaudi yo t'a pas à montrer que eh bien travail que m'a fait yo eh bien joine participation pa yo la dan moi sorti nan Akin Osman moi sorti nan Akin et c'est là moi fait nan Melinette eh bien me grandi nan Melinette Maceyan Baptiste c'est même quartier yo et puis kounya moi pris plus près ville là parce que c'est là que moi construit nan Akin me sorti m'pa gen crasse problème non pour me dire ça et OK d'accord alors pas gen problème et n'a pas dit ça et c'est important pour connaître et Navierbou, OK Florence Jean, OK d'accord, OK d'accord. Et Florence, est-ce que c'est Navierbou sorti Florence ou bien c'est Vieboué même? Et pendant à suivre moi là. C'est important mon Vieboué, mon Vieboué d'Akin, c'est même zone là. Alors, et l'important pour nous connaître que eh bien et les yo fin voye enquête là, des fois la préfecture prend du temps pour le traiter pour ces verbal là pour permettre que vous gagne carte de séjour. Alors faut qu'on toujours gagne monde pour faire des interventions et c'est ça que moi-même toujours là pour me faire pour permettre que eh bien gagne des dossiers que monde n'a gagne droit et yo bafoué droit eh bien pour me défendre droit. C'est ça en tant que président association, c'est ça me fait. Et pas trop longtemps et jeudi à qui je mardi eh bien moi j'étais au téléphone avec directeur là puisque nous avons des dossiers qui bloqués dossier ça yo c'est un autre cas c'est deux cas par un enfant français là m'a parlé pour un cas pour une situation particulière mais y à présent mais y mon nom li recevoir yon OQTF. Ça c'est important pour connait. Quel que soit moun nan li recevoir yon OQTF, OQTF la salye, c'est une obligation de quitter le territoire français. OQTF c'est l'obligation